Bien, salut tout le monde, comme vous avez pu le voir, on se retrouve aujourd'hui sur Battlefield 4 pour un tout nouveau let's play en votre compagnie. J'ai seulement testé le multi pendant les bêtas et hier soir, j'ai envie de dire vite fait, pour reprendre un peu la manette en main. Pour moi, ça sera le deuxième solo de Battlefield que je fais. J'ai seulement fait Battlefield 3. Et donc là, je fais avec vous Battlefield 4. Je ferai certainement de nouveau le solo en let's play sur ma chaîne. Je verrai ça un petit peu plus tard quand j'aurai fini vraiment tous les jeux en cours. Donc aujourd'hui, premier épisode de notre aventure sur Battlefield 4. Bien sûr, je vais tout d'abord vous proposer la campagne. Par contre, je ne sais pas si je. La Battlefield 3, je l'avais fait en difficile, je le trouvais assez facile. Bon, on va la faire en difficile, hein, on est des fous. Vas-y, ils disent de jeu solo. D'accord, je comprends pourquoi maintenant il y a deux CD. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de CD. Hein. Désolé, je ne savais pas, j'ai pris le premier CD. Et apparemment, c'est uniquement pour le multi. Par contre, il n'y a rien de marqué sur les CD, ils auraient pu quand même le dire. C'est seulement marqué disque 1 et disque 2. Je vois pas où est-ce que ça pourrait marquer que c'est le multi. Bizarre. Bien le disque 1, vu que. Enfin, pour ceux qui ne sont pas au courant, en tout cas sur Xbox, il y a une partie à installer sur le disque dur. Donc, comme pour GTA, il vous faut un disque dur de 2 Go minimum. Sachant que plus tard il y aura des DLC et déjà qu'il y a une grosse mise à jour de 119 Mo environ, il vous faut quand même un petit espace assez conséquent. Enfin voilà, sûrement le disque 1 sert uniquement pour. Oh, ils nous mettent une vieille musique en intro. Comment elle s'appelle la chanteuse d'ailleurs. Enfin bref, ça fait bizarre d'entendre ça sur un jeu Battlefield. Merde. On va crever sur ce morceau. Hey Irish, tu sais ce qu'on trouve comme poisson à bas coût? J'avais pas la moindre idée, ça. Ah ok. En fait c'est la radio. Hey Wrecker. Wrecker, tu m'entends? C'est pas fini, reste avec moi. Bien joué Wrecker. J'ai jamais vu quelqu'un conduire aussi bien. Jusqu'à la fin. Allume Pike. C'est marrant comment le son change entre la présentation et quand on arrive dans la voiture, donc ça passe à la radio, c'est assez marrant. En tout cas, comme j'ai vu dans les vidéos, les visages sont vraiment bien faits. C'est exactement le genre de phrase qui me fait paniquer. Pas quel point, les sièges, on s'enfonce toujours, merde! On va vous tirer de là. C'est compris? Comment? Pour tout coincer! Merde! C'était pas censé finir comme ça. Avec cœur, prends mon arme. C'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? Pour survivre, un loup est prêt à se bouffer une pinte. Tire! Négatif, fais pas ça! Vite, Wrecker, tire dans la vitre! C'est un ordre! Putain, fais pas ça, Wrecker! Foutez le camp! Barrez-vous! Barrez-vous! N'importe quoi, mec! Fais pas ça! Alors je pense que ça va faire, voilà, ça va faire comme dans Battlefield 3, on commence par la fin, ça monte à peu près à une scène finale du jeu. Et on revient, on va dire, bah là, 13h40 en arrière, pour savoir comment on est arrivé dans cette situation. Donc, je vais pas vraiment regarder où est-ce que Battlefield 4 s'est passé, donc là c'est un petit tutoriel pour un peu retrouver les touches. Alors, menu du jeu, dans le menu en jeu, vous pouvez examiner objectif en cours, votre score et votre tâche. Menu du jeu, on va faire. Alors, plus votre score est élevé, plus vous aurez de récompenses. D'accord. Ok, donc ça c'est le menu normal. À droite, c'est un peu les objectifs. Et un résumé de ce qu'on a tué, tout ça. On va avancer. En tout cas, j'avais déjà vu cette partie pendant, je sais plus si c'était un stream ou les premières minutes de gameplay. On peut vraiment voir que même sans avoir une Xbox One et un truc assez poussé, enfin une console assez poussée, là je suis sur Xbox 360 comme vous pouvez voir, hein,
les graphismes sont déjà plutôt pas mal. On voit vraiment qu'on a changé de moteur de jeu, hein. Ils sont nettement bien améliorés entre Battlefield 3 et Battlefield 4. Putain, vrai cœur, j'ai failli te tirer dessus. Ça va, je suis pas trop cardiaque. Ça se met. Du calme, Pac. T'étais passé où? Quand le transfert a mal tourné, je suis vu ici. Des Russes, hein? Des pros, un coup ils sont là, un coup ils sont plus là. Détends-toi, t'as le renseignement? Ouais, ouais, je l'ai. Bien joué. Merde, il fait déjà jour. Faut aller au point d'extraction. On sait où est Irish? Il est pas avec vous? Je lève le silence radio, Thompson 3 de Thompson Leader, votre position. Thompson Leader en approche par le nord. Ça chauffe par ici, je vais me replier, faut me couvrir! Ça reçoit, il est chaud de coup. Baker, prends ton arme, allez! Vous me couvrez! Ça la fête, il faut couvrir Irish! Alors, ouvrir caisse d'armes. Arme principale, arme secondaire. Donc, je peux rien prendre. Hein. C'est quoi ça? C'est une carabine ça? DMR. Je vais rester au fusil d'assaut, hein, personnellement. Quoique, en arme secondaire, je peux peut-être prendre l'arme. Là. Voilà, au moins on a les deux armes. Tranquille. Donc, comme je vous ai dit, le seul battlefield que j'ai fait, c'est le 3. Voilà. Allez, attention. Lâche-moi. Lâche-moi. Il y a des ennemis à la fenêtre. D'accord, en fait ça marche comme le multi, on gagne des points quand on tue dans la tête et tout ça. J'ai essayé de faire un maximum de headshot. Il y en a d'autres, vous les voyez? Ouais. Je tire, attention! C'est, je préfère vraiment la mitraillette, hein, y a pas photo. À gauche, butez-les! Le truc c'est pas faire des pressions de la mort tout de suite parce que c'est pas ça que j'avais dit aussi. Donc c'est au coup par coup. Que ce soit en solo ou en multi, ça aidera. Donc au niveau des let's play, enfin du let's play des épisodes de Battlefield 4, je vais faire en sorte de faire un épisode par mission. Pour pas trop galérer à. Enfin si vraiment ça marche par mission, hein, je sais pas. Mais en tout cas ça s'évitera de galérer sur des points de sauvegarde et tout ça, donc si ça marche par mission, je vais donc faire un épisode par mission, ce sera plus simple pour moi que pour vous, et moi je pourrais marquer aussi en titre le nom de la mission, comme ça pour retrouver vous si vous galérez dans un passage et tout ça, ce sera plus simple pour vous de retrouver dans quelle mission vous êtes. Alors engagé, amène l'escouade à attaquer les cibles dans votre champ de vision, pardon. Ok. Dans la pas repéré. Ok, moi c'est moi qui donne des ordres. Ok. Travail d'équipe, Tom. Ok, en fait, je suis le meneur des squads. Et donc, ouais, ça sent le piège là. C'est donc moi qui donne les ordres d'attaque. Et ils attaquent toutes les cibles que j'ai mises. Pas qui suivre, hein. Donc au fur et à mesure des points, apparemment c'est comme en multi, on débloque des armes. D'accord. Ouh, je les ai pas. Par contre j'en ai pas sortir.
Donc ça change un peu de Battlefield 3 parce que dans Battlefield 3 j'avais un peu remarqué que arriver à des points bien précis de script, celui-ci se lançait et nos alliés avançaient automatiquement. Du coup ce qui faisait qu'on restait toujours en retrait et c'était nos alliés qui faisaient un peu tout le boulot et nous on était là limite juste pour finir les kills. On va les buter ensemble. Monsieur Chiste, marquez-les et donnez le signal. Tu dis du web. Je t'en t'habite. Ok, je viens de découvrir une autre douche. Hop. Travaille d'équipe, Tombstone. Par contre, je ne sais pas si on peut ramasser les... Ah, si, c'est vrai. On peut ramasser les munitions. Il y a un autre truc qui est bien dans Battlefield par rapport au Call of Duty. Enfin, je sais pas pour le prochain, hein, mais c'est que tout est cassable. Délogé là-bas. Donc c'est que tout est destructible. Enfin, une bonne partie de la map en tout cas. C'est pas plus mal, comme ça vous pouvez vous amuser à casser des murs et tout ça. Par contre, si j'ai vraiment les trucs à pas faire. Hop! Le 4 d'un coup. Je dirais tout de suite, dès qu'on sait où est-ce qu'ils arrivent, ça va beaucoup mieux. Y'a pas d'issue, descendez! Oh, je les ai tous pétés dans le coin! Dans leur point de spawn, ça fait un peu mal. Donc, pour revenir aux épisodes des Display, je sais pas si ça marche toujours par type de mission, enfin pas par type de mission, mais si chaque mission a un nom bien précis et on voit vraiment la différence quand on change de mission. En tout cas, je vais essayer un maximum, enfin je vais faire de mon mieux en tout cas pour faire un épisode par mission. Alors, il faut poser du C4, je ne sais plus, peut-être là. Hein. Non, ça c'est une grenade. Cassez-vous. Allez, faut l'ouvrir, Raker. Alors, déployer C4 LT. Attention, ça va sauter. Bon, apparemment, c'était le bon mur. Tombstone Leader, ici Firebird 2-1. Alors, je me suis pas trop spoil sur les vidéos de gameplay pendant les bêtas et tout ça, enfin quand il y avait des gameplays du solo, je connais vraiment rien de ce qui s'y passe, à part vraiment au tout début quand je vous ai dit que j'avais vaguement vu le début du jeu quoi. Alors, RB. Ok, faut se tapier. Ouais, deux cheminées, pile en face, tu vois ça, Raker? Ouais, c'est bon, ça, c'est le point d'extraction. Ah, très bien, Hawkins avait repéré des mouvements ennemis, tu les vois? Ouais. Quelques enfoirés sur le chemin, hein? Les jumelles repèrent aussi le ravitaillement et les armes. Bon, le ravitaillement et les armes, ça doit être ça? Je sais pas. Ok, bon, bah, let's go, hein. Je sais pas si je tire dedans, si tout va péter. Ce serait marrant, tu vois. Testons. En tout cas, le paysage est tout simplement magnifique. Il n'y a vraiment rien à dire. En tout cas, généralement dans les Battlefield, on peut pas dire autre chose que c'est beau. Hein. Et puis, néanmoins. Je suis un fifou. Venez m'aider! On peut vraiment attaquer en traître, hein. C'est plutôt pas mal. Toi, reviens. Voilà. Donc, pour l'instant, le niveau de difficulté, je ne sais pas si c'est le fait que c'est le début du jeu. Mais
votre foudre d'un conduite qui est beaucoup plus importante. Hein, c'est le fait qu'il y a vraiment une assistance de nos alliés. Je vous couvre, donnez-moi juste les filles. La grenade. Je le flingue. Voilà, je vois qui court, hein. On recharge, poisson. Est-ce qu'on peut voir à travers les trous? Alors, on va avancer. Ok, c'est quoi les types? Alors, apparemment, on peut changer le mode de tir. Compris, j'y vais. Hop, j'ai trouvé une grenade. Rechargement, je serai bientôt prête. Ok, là, ici. Pourquoi je peux pas les marquer? Vous pouvez aligner au temps, mais... Ok, j'attends de connaître les cibles. En attente des cibles. C'est chaud de tirer des autres, hein. D'accord, moi, lui, il valait avec son micro. Ça me donne vachement. Une seconde, recharger. Bing! Dans ta tête! Ah ok, là, il a bossé. Reçu, j'engage. Allez, arrêtez de vous cacher. Voilà. Pourquoi qu'il en reste un là-bas, là. Voilà, c'est bien. Une seconde, je recharge. Donc on a vraiment beaucoup plus d'assistance dans un Battlefield que dans un Call of Duty. C'est pas plus mal, mais ça, on va dire, ça rend plus facile le jeu. Après, ça donne un meilleur teamplay d'équipe aussi. Hein. Moi, c'est pas vous non plus qui faites du boulot. Vous avez vraiment des alliés qui servent à quelque chose, au moins dans un jeu. On va éviter de foncer comme des gros dingues. Hein. On aperçoit des sources de chaleur sur l'engagé là-bas. Par contre, il n'y a pas moyen d'allumer une petite lumière là. C'est pas que je vois que dalle, mais je vois que dalle moi. Ok, par contre, c'est ça. Les amis de suivre. Alors, est-ce qu'on peut. Je sais pas si ça ressemble un peu à les munitions. Fusil d'assaut, le SCAR. Ok, en fait, on améliore notre pistolet à chaque fois que. Non, bon, le fusil à pompe, j'ai oublié. Ce que je vais faire. Ah, je peux pas prendre de fusil d'assaut, c'est ballot. Ah, c'est quoi que, ouais. En fait, si je prends deux fois le même, ça va pas le faire. Reçu, j'engage. C'est quoi.
Thornton, je dois me retirer pour éviter leur lance-roquette. On suit le plan, Dunn. Je vous récupère sur le toit et on se casse d'ici. Donc, faudrait juste vite de rester dedans. Ça serait bien. Oh, c'est... Si c'est pas beau, ça. Il faudra pas le tuer. Je sais pas si c'est une bonne idée de monter là, mais je vais le faire. Pas là parce que l'hélico ça nous aurait bien aidé. Wow, par contre il tire trop bien leur grenade, ça visait. Il vise trop bien. Hein. Enfin, c'est pas non plus la visée de IMBot hein, qu'on peut avoir dans Call of Duty. J'ai beaucoup de références à Call of Duty, c'est parce que j'ai vraiment fait presque tous les Call of Duty sortis. On va dire, pas que je m'y connais bien, mais j'ai une bonne expérience. Moi, je peux vraiment différencier chaque gameplay. Ce qui est bien avec ces jumelles-là, c'est qu'on peut vraiment voir à travers s'il reste des ennemis. Bon après c'est un peu cheaté aussi, je connais à peu près leur position. Ils viennent de l'entrée. Restez concentrés. Avancez vers l'usine. Je m'amuse avec les grenades, ça aide. En tout cas, gameplay, ça a rien à voir, je veux dire, c'est le bordel de A à Z sur Battlefield. Alors que. Dans Call of Duty, c'est vraiment. Par moment, quoi. On se sent vraiment dans une guerre dans Battlefield. Enfin, ça, de toute façon, le nom du jeu, il veut bien dire ce que ça veut dire, hein, Battlefield, jeu de bataille. C'est un grand espace. Je le sens pas du tout ici. Ouais, c'est clair. Ça me rappelle chez moi. Désolé d'avoir faim. Oublie ça. On est tous ensemble. Ouais, un ascenseur. C'est ça le meilleur moyen de monter. C'est le plus rapide. On n'a pas le temps de chercher autre chose. Attendez de voir la vue de la terrasse. Je m'attends à être soufflé. À ferme. Ouvrez l'œil. Tombstone Leader, spot sur le radar. Aérien hostile. Pas les outils que ça allait mal tourner.
Wow. Wow, comment ils sont montés eux. Les mecs ils ont monté carrément sur Les coups ça s'est explosé, je sais pas pourquoi. Ah tiens, l'arnaque à plein de jeu. Allez, reculez. J'ai perdu le contrôle. Ça dit tout de suite dans quoi on s'est embarqué, hein. Ça promet au fil du jeu. Ça va, mec? Pas que les traces de Hawkins et des autres, pas de survivants. Fais sortir John de l'épave. Pas, il est coincé. Hé, je suis en train de sortir d'ailleurs. C'est parti. Fortress, ici Tombstone. Notre plan d'extraction est foutu. Par contre, je vais juste changer les touches pour conduire les véhicules. Touche véhicule. Voilà, accélérer avec la gâchette, ça va être beaucoup mieux. Chose, vous me recevez? Tombstone, Fortress vous suit. Extraction secondaire en route. Suivez la route 3 km vers l'ouest. Déjà, faut trouver la bonne route, ça serait déjà pas mal. Wouah, alors je sais pas. Je vois rien. C'est hallucinant comme je vois rien. Partir par là-bas, hein, obligatoirement. En fait, faut juste. Allez, roule! Reçu, Fortress! En route! Où est l'hélico? Je suis pas, je reviens! Je vais arriver devant nous, ouais, je comprends. Oh! Même l'intérieur des véhicules, c'est vraiment, il faut que tu ailles jusqu'au bout.
Ah, je fais le plus vite que je peux. Comment on met les essuie-glaces en route? J'ai droit qu'à qu'une seule balle. Enfin, une seule grenade de lance-patate. Donc, j'ai pas le droit à l'erreur au final. Ça va être difficile. Ou bien, je me suis carrément loupé. Ouais. Oh, c'est nul. On prend avec une faible vitesse. Turbo. J'avais oublié qu'il y avait un turbo dans la vidéo de Battlefield. Plus vite, bordel! Micheline! Cette fois-ci, je vais bien attendre qu'il est en face de moi. Et je vais le descendre entièrement. Voilà, je peux l'avoir touché. En fait, j'ai l'impression que c'est pas la fin du jeu qu'on a vu. C'était juste le début de la mission. Enfin, la fin de la mission 1. Ouais. Tombstone a récupéré les renseignements. C'était pas. En cas de coup d'état militaire chinois, les Russes soutiendraient l'amiral Chang. Ça confirme le rapport de notre contact en Chine. Alors, le sergent Dunn est mort pour une information qu'on avait déjà. Il y a des émeutes dans les rues de Shanghai, capitaine, et les Russes sont impliqués. Il fallait qu'on en soit sûr. Boucler Suez était suffisamment délicat comme ça. Au moindre remontant faux, la surface. C'est la guerre. Vous avez vos ordres, capitaine. Oui, monsieur. Faire route vers la côte est de la Chine. Donc, je sais pas s'il y a un résumé de partie. Donc, vu que j'ai un succès, je pense que c'est la fin de la mission 1. On va se quitter ici, hein, J'espère en tout cas que le premier épisode vous aura plu. En tout cas, moi j'ai très envie de voir la suite, hein. C'est vraiment un nouveau gameplay que j'aime bien. N'hésitez pas à commenter, partager, donner vos avis sur le jeu si vous l'avez déjà commencé. Et pourquoi pas, n'hésitez pas à donner votre Game Tagger Xbox Live pour se faire des parties multi. Moi, je vous retrouve plus tard pour un prochain épisode. En attendant, portez-vous bien. À cause de l'assassinat de Jin Jae.